Mais je vous en prie, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter Pascal. D'accord. Pascal qui est le réalisateur, qui est surtout mon ami. Voilà. Bonjour monsieur. Sarah Biazou. Enchantée. Bonjour. On va se mettre par ici, Sarah. D'accord. D'accord. Vous allez prendre le temps de vous déshabiller, tout ça. On nous a proposé cet endroit-là qui est un... Vous la connaissez, hein, la salle de maquillage, en fait. Oui, ah, voilà, oui, vous êtes déjà venue. Oui, voilà. Céline qui est avec nous. Voilà, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Ma première question, elle est sur ce livre que j'ai lu. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de mettre en couverture cette photo-là précisément. Parce que celle-ci, d'abord, elle est un peu plus gaie que celle que j'avais choisie au départ. Et puis je trouve que le baiser de la mère à l'enfant et réciproquement... raconte bien ce que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire aussi la sauvagerie maternelle, quoi, la mère qui embrasse l'enfant sur la bouche, l'enfant qui attend ce baiser, enfin un truc un peu archaïque dans cet amour-là, ouais. Voilà, un peu animal, quoi. J'aime à dire que on l'appelle Romy, mais vous l'appelez comment? Vous l'appelez maman, c'est votre mère en fait, oui. C'est ça? Ça veut dire quoi maman? Le fait qu'on vous appelle aujourd'hui vous maman? Ah oui, ça c'est formidable. Oui, oui, j'adore l'entendre. J'adore, même si elle me le dit 150 fois par jour. D'ailleurs, je lui dis, j'adore entendre. Oh, oui, forcément, j'adore entendre l'entendre dire maman. Et c'était. Indispensable pour vous, c'est ce que vous avez écrit, d'être mère. C'est que vous... Indispensable, c'est-à-dire que je commençais à me préparer à l'éventualité de ne pas avoir d'enfant, parce que j'allais avoir 40 ans. Et puis finalement, elle est arrivée, donc c'était bien. Je vais me permettre de lire un passage qui m'a, moi, profondément touchée. Les enfants donnent l'occasion aux parents de se racheter une nouvelle conduite. Tu es mon voyage à l'étranger. Vous parlez de votre enfant. Ton père me glisse, tu ne seras plus la fille de ta mère, tu seras la mère de ta fille. La messe est dite. Il fallait qu'un enfant passe pour que votre maman puisse prendre sa place. Oui, oui, après on ne cesse jamais d'être l'enfant de ses parents. Effectivement, il y a une fonction supplémentaire dans la vie. D'abord, on a une responsabilité autre que sa propre petite survie. Sa place un peu... Une nouvelle identité aussi, ou une identité retrouvée. Identité de mère, oui, ouais. Oui, non, une nouvelle identité, une ouais. Identité de mère. Je suis l'enfant de quelqu'un et la mère de quelqu'un. Moi, j'aime à penser que, au départ, quand on perd quelqu'un, ça a été mon cas, je me dis que je vivais avec mon petit fantôme, mais que ce fantôme est un peu lourd, quelquefois, à porter, parce que vous le traînez un peu comme un boulet. Et à un moment, ce fantôme, qui était mon mari, ce fantôme, bah, j'ai accepté qu'il s'éloigne un peu. Et c'était ma survie. Et j'aime à penser que la mort nous permet en un sens de vivre. Est-ce que c'est juste pour vous, cette phrase? Oui, 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 bien sûr. Enfin, en tout cas, ça permet de vivre d'une certaine façon, avec la conscience que tout peut s'arrêter en une seconde. Donc, on vit particulièrement. Et votre maman revient systématiquement dans votre vie ou pas forcément? Vous avez réussi à la... Bah, moi, c'est encore un peu particulier. Oui, elle revient d'autant plus que l'on parle d'elle très souvent. Ouais.
d'autres parlent d'elle très souvent. Donc, On vous la vole ? Oui, mais parce que oui, mais elle était déjà. Ce que je dis, c'est qu'elle était déjà. Elle avait déjà un métier public bien avant que je naisse, donc. C'est comme ça. On vit avec ? Oui, oui. Et puis, bon, voilà, c'est pas grave, c'est bien aussi. Enfin, je veux dire, il faut pas trop. Comme les choses un peu pénibles parfois, faut pas trop s'apesantir dessus. Vous, si on vous demandait de trouver un mot qui vous porte, que ce soit les jours de pluie ou les jours de soleil, ce serait quoi ce mot ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre et d'avancer ? L'existence de ma fille, je suis obligée de vivre pour ma fille, ça c'est fondamental, ça c'est. Ça maintient en vie ? Bah oui. Des bonheurs simples, quoi. Bonheur simple, c'est bien. Ouais, ouais, bonheur simple. Ouais. Ouais. Une chanson. Alors là, il y en a une récente que j'ai découverte, que je trouve très jolie, qui s'appelle Little Boy, et qui est d'une chanteuse, ou un groupe, qui s'appelle Soul. Très bien, on va l'entendre. Ouais. Parce qu'on la met en plus, en playlist. Une jolie berceuse, je trouve. Vous quitte pas. Je dis toujours pareil, mais La promesse de l'aube. Ouais. Carré. Pourquoi ? Parce que je pense. C'est le premier livre pour lequel j'ai pleuré beaucoup et j'ai beaucoup ri aussi. Ouais. La personne sans laquelle vous ne seriez pas forcément tout à fait celle que vous êtes aujourd'hui, qui vous a permis de cheminer, de vous soutenir, celle qui est toute proche de vous. Mon père. Ouais, mon père parce que d'abord il a contribué à mon existence à bien des égards. Je me réfère à lui. D'abord en caractère, je lui ressemble beaucoup et puis j'aime l'enseignement qu'il m'a transmis sur le rapport aux choses, aux gens et à la vie en général. Est-ce que vous avez une phrase que vous aimez, une citation qui vous revient quelquefois ? La peur n'évite pas le danger. Et puis je crois que c'est René Char qui avait dit « Va vers ton risque, cultive tes défauts, serre ton bonheur à te regarder, ils s'habitueront. » Ça veut dire que malgré tout, on y va ? Peu importe la peur. La peur, ça peut être quelque chose de très excitant aussi, enfin, de positif. C'est du sel aussi. Hein. Donc, c'est pas. Parce que si on a un petit peu peur, ben, quand on réussit, on est encore plus heureux. Si je vous dis la mort, je vous dis la vie. Pour terminer, je vais vous faire sourire. Le gros mot que vous adorez dire. Allez, reculez. Ça vous fait du bien, hein ? Ça fait du bien. Oui, oui. Bah moi, en tout cas, je vous remercie infiniment. Et je suis ravie. Merci.